Citation de Confucius sur la justice et l'honnêteté. L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais non se courber. Je ne sais à quoi peut être bon un homme qui manque de sincérité. L'honnête homme a de l'autorité, mais pas d'arrogance. L'homme vulgaire a de l'arrogance, mais pas d'autorité. L'homme supérieur fait de l'équité et de la justice à base de toutes ses actions. La vertu parfaite consiste à se rendre capable de pratiquer 5 choses sous le ciel. Déférence, grandeur d'âme, honnêteté, diligence et générosité. Les hommes vicieux déguisent leurs fautes sous un certain dehors d'honnêteté. Quand le naturel l'emporte sur la culture, cela donne un sauvage. Quand la culture l'emporte sur le naturel, cela donne un pédant. L'exact équilibre du naturel et de la culture produit l'honnête homme. L'honnête homme n'attend que la justice. L'homme vulgaire attend des faveurs. L'homme de peu colore toujours de belles apparences les fautes qu'il a commises. Que vos paroles soient sincères et fidèles, que vos actions soient honorables et dignes. Un homme dépourvu de sincérité et de fidélité est un être incompréhensible à mes yeux. Celui qui est respectueux sans mesure est fatigant. Celui qui est franc sans mesure est insolent. L'homme de bien situe la justice au-dessus de tout. Un homme de bien qui a la bravoure et qui ignore la justice sera un rebelle. L'homme médiocre qui a la bravoure et qui ignore la justice sera un brigand. L'homme honorable considère les choses à travers la justice. Et l'homme de peu à travers son intérêt.